Bon, nouvelle vidéo. Si tu t'attendais à ce que je parle de la fac encore, bon, c'est raté. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'un truc que j'aime trop aussi, tu vois, faire du shopping. C'est pas réservé que meuf, tu vois, moi aussi, je kiffe de ouf. Bientôt, quand je commence à faire de partenariats, je vous vends des VPN. Oui, avec ce VPN, vous pouvez regarder tous les films de Netflix US. C'est incroyable. Et je vous donne mon code promo, Sandro Madère, et vous allez bénéficier de 60%, c'est-à-dire que vous allez payer 2 € au lieu de 5 € par mois. C'est incroyable. Frère, quand tu vas pour prendre ce VPN, ils disent de payer 120, je sais pas combien d'euros, frère. Il m'a pas dit ça, le youtubeur, lui. Lui, il m'a dit que j'allais payer 2 € par mois, pas 100, je sais pas combien. En fait, eux, ce qu'ils disent pas, c'est quoi? C'est que tu dois payer 3 ans d'un coup. C'est de l'arnaque. Faut le dire, ça. Parce que là, c'est un peu de la publicité mensongère, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ils font leur bif. Mais moi, tu vois, j'étais séduit par leur truc. Ouais, tu regardes Netflix US, tu fais ça, tu fais ça. Je suis parti pour me prendre un VPN. Et là, je vois 100, je sais pas combien d'euros, frère. Ils me disent sur 3 ans. Mais moi, ils m'ont pas dit 3 ans, mais ils m'ont dit par mois. Ouais, mais c'est pareil, c'est comme si tu payais 2 € par mois pendant 3 ans. Non, c'est pas pareil en fait. Parce que on m'a dit 2 €. Est-ce que j'ai 2 € là actuellement? Oui, mais est-ce que j'ai 120 €? Non. Voilà. Bref, fermons cette parenthèse parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Peut-être que dans pas longtemps, moi aussi, je vais mettre, tu vois, je vous vends des trucs bizarres. Bref. Là, je suis fort, je suis trop content parce que je viens de faire du shopping. Et ouais, je kiffe trop faire du shopping. Là, j'ai acheté 4 articles carrément. Ça m'a coûté une blinde, mais bon, c'est pas grave, on se met bien, etc. On kiffe, la vie est belle et tout. Après tout, c'est mon bif. J'ai gagné en travaillant, même si ça fait 3 mois que j'ai pas travaillé. On profite. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai acheté là? J'ai acheté des trucs. Voilà, chez H&M. D'ailleurs, H&M, tu vois, moi, j'achète pas régulièrement chez H&M parce que je trouve que, tu vois, la qualité de H&M, homme, voilà, j'aime pas trop, tu vois. Déjà, tu rentres dans H&M homme, compare le côté homme et côté femme, ça n'a rien à voir. Tu vois, le côté femme, c'est grand de ouf. C'est comme la villa de Drake, c'est grand de ouf. Et tu rentres dans le côté homme, c'est... c'est mon studio du Crous, frère. À peine tu rentres, tu peux voir tous les articles. C'est pour ça que nous, les hommes, quand on fait du shopping, on se prend pas vraiment la tête. Tu vois, on rentre, on sort. On peut voir s'il y a des nouveaux articles qui viennent d'arriver à partir de l'entrée. Voilà. On regarde à droite, à gauche. C'est pareil que l'année dernière. Oh là là, j'ai que de la demi-heure. Non, j'ai pas n'importe quoi, frère. Parce que H&M, côté homme, c'est n'importe quoi. Frère, les habits sont même pas repassés, je vous jure, c'est vrai. Rentrez dans H&M, côté homme. Regardez les vestes. Tu vois, les vestes de costard, tout ça, là. C'est froissé à la mort. C'est quoi? C'est de la discrimination anti-homme, c'est ça? Oh, la victime. J'ai mal aux yeux. Moi, j'ai un problème des yeux, là, je crois. J'ai tout le temps les yeux fatigués. J'ai tout le temps les yeux rouges, de ouf. Rouge. On dirait que je viens de fumer un spliff. Mais non, en fait, c'est juste que je suis fatigué. Bref, je disais quoi? Je disais que, ouais, côté H&M, côté homme, c'est n'importe quoi, tu vois. Faites un effort, quand même, tu vois. Parce que là, nous, les hommes, maintenant, commence à dépenser, nous aussi. On commence à faire du shopping. Tu vois, maintenant, il y a aussi les rois du shopping, tu vois. Parce que nous, si on commence à s'y mettre, voilà. Bref, fermons la parenthèse avec H&M, parce que encore une fois, on sait jamais de quoi réserver l'avenir. J'ai aussi acheté un truc chez eux. Je sais pas si t'as vu ce que c'est avec la luminosité, mais tu vois un peu ce que voilà. Et après, j'ai aussi acheté une paire et une veste chez eux. Voilà. Alors, je commence par quoi? Je pense que je vais commencer par le t-shirt. Donc, par lui, Zara. Voilà. Je l'ai trouvé beau. Tu vois, je voulais un petit t-shirt bien qui fait un peu oversize et tout. Et j'ai pris ce t-shirt là. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais ça fait un peu imitation comme des garçons. Mes frères, Zara, c'est leur domaine, les imitations, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut le dire. Bref, eux, avec les imitations, frère, ils ont rien à faire. Tu vois une belle paire de ouf, d'une marque de ouf. Rassure-toi que dans un mois, Zara, ils vont faire exactement la même chose. Voilà. Et c'est beau en plus, tu vois, c'est ça qui est bien. Et moins cher, voilà. Il est tout simple.
Il y a un petit cœur là, avec des petits bonhommes et tout. J'aime bien, j'aime bien. Je vais l'essayer tout à l'heure. Voilà. Bref, après, j'ai acheté quoi aussi? Voilà, bah, je vais vous montrer le H&M. Mais là, par contre, j'aime trop, tu vois. J'ai acheté un bas cargo. Voilà comment il fait le bas cargo. Je sais pas si tu vois un peu l'arrière. Le bas, il est là, comme ça. Et ce que j'aime bien dans ce bas, c'est qu'en bas, là, dans ce bas, en bas, tu vois, tu peux le serrer comme ça, tu vois. Attends. Tu vas le voir! Là, tu peux le serrer comme ça, là. Ça serre un petit peu à la cheville et tout, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Avec grave des poches et tout. Alors, il m'a coûté combien? Il m'a coûté 35 euros. Ça va. Voilà, je vais vous montrer encore une fois. De toute façon, je vais l'essayer après, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'espère que je le fais bien, mon petit unboxing. Passons à la veste que j'ai achetée chez Uniqlo. 39,99, frère, c'est 40 balles. Tu vois, ça, c'est des prix psychologiques pour pas te faire dire 40 balles. 39,99 centimes. C'est 40 euros, frère. Et il y a des gens qui se disent, non, mais c'est pas 40 euros, c'est moins cher que 40. Il manque 15 centimes, frère. Voilà la veste. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. Attends, je vais baisser. C'est une veste assez simple. Je sais pas si vous voyez un tout. Avec grave des poches là, là. Là. Ouais, c'est un truc simple. Moi, j'aime bien les vestes comme ça, simples et tout. De toute façon, je vais l'essayer. Tu vas bien voir quand je vais l'essayer, frère. Ça sert à rien de dire, oui, on va pas et tout. Et le meilleur pour la fin, j'ai acheté une paire. Jordan! Je kiffe trop les paires, moi. J'aime trop les paires. Faut savoir que cette paire, je suis parti la chercher un peu partout. Il n'y en avait plus ma taille, tu vois. Il n'y avait que du 45. Et moi, je fais du 41, tu vois. 41, il n'y en avait plus. Bref, voilà la boîte. On va l'ouvrir tout doucement. Bref, tu l'as vu, frère. Voilà la paire, comment elle se présente. Ah, la paire de Jordan 1, la Low. Voilà comment elle est belle. Mec. Tu vas dire, ouais, elle est pas belle, frère, et tout, nanana. T'abuses, elle est pas belle, t'abuses. Mais regarde, je vais te dire un truc. Regarde, écoute bien ce que je veux dire. Écoute bien, c'est très important ce que je veux dire. C'est très, très important ce que je veux dire. Regarde ma tête avant ton avis. Et maintenant, regarde ma tête après ton avis. Rien n'a changé, gros. Donc, ton avis, je m'en fous. Moi, en tout cas, j'aime bien. Je vais la caler bien comme il faut parce que moi, j'aime bien caler les trucs comme il faut, tu vois. Les belles paires. En plus, ça sent le cuir de ouf. Oh là là. Ah non, franchement, je suis en kiff total. Non, je suis en kiff. Oh là là. Oh, ça tourne, oh là, j'ai oublié. Alors, comment j'ai acheté? J'ai acheté à 99,99. Bon, 100 €. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Là, déjà, j'imagine la petite tenue que je vais porter avec ça. Si je vais pas porter avec le cargo, ça, je vais bien avec le jean que j'ai là actuellement. Un jean bleu délavé et tout. Avec la veste, ouais. La veste, ouais. Par contre, ouais, pourquoi pas, ouais. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Et je voulais partager ça avec vous parce que je kiffe trop ce que j'ai acheté. J'aime trop ce que j'ai acheté. Voilà. Et c'est pas fini parce que, frère, sinon ça serait nul. On va essayer tout ça et on va voir ce que ça donne. Sinon, c'est trop nul, frère. Et moi, c'est pas mon but que la vidéo soit nulle. That boy is Benihana.